Et salut tout le monde, c'est Rétalexi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mindsy. Alors, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de vidéo sur Mindsy, ni de vidéo tout court d'ailleurs. Donc, je me rappelle plus trop les trucs. Tout ce que je sais, c'est que si je me rappelle bien, la commande pour démarrer, c'est slash Mindsy spawn. Ouais, c'est bon. Ok, pourquoi j'ai cet effet de nausée là? Je commence déjà à être un gros drogué à peine arrivé. Il flotte. Heureusement, j'ai désactivé le bruit de la pluie que je trouve naturellement horrible. Mais complètement horrible. D'ailleurs, pour ceux qui veulent savoir comment faire sans désactiver entièrement la pluie, il suffit d'aller dans Optifine, Video Settings, Animation, et désactiver le Rain Splash. Si, voilà, donc là j'en mets, il y a le bruit. Et donc en fait ça désactive le choc de la pluie là contre le sol et du coup ça désactive le bruit qui va avec. Donc des zombies. GTO. Bah, on va aller par là. J'espère juste que je vais pas me faire buter. Je vais arrêter de courir. Donc en ce moment, si je fais pas trop de vidéos, cette fois c'est plus à cause du déménagement parce qu'il est fini. Mais j'ai rencontré un autre obstacle très dur qui s'appelle Feed the Beast. Pour ceux qui connaissent, c'est un... Non, pour ceux qui connaissent pas, je veux dire, je peux expliquer les trucs à ceux qui connaissent, puis qui connaissent, ça sert à rien. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un pack de mods Minecraft, un gros pack de mods qui contient donc des gros mods tels que Buildcraft, Industrialcraft, tout ça dans un gros modpack et en fait il y a plein de serveurs de suite. Du coup j'ai décidé d'ouvrir mon petit serveur entre amis et du coup en ce moment je passe un petit peu énormément beaucoup de temps dessus. D'ailleurs je me suis dit que peut-être je vous ferai des vidéos Ah attendez, je reviens. Et re tout le monde, et on se retrouve en train de bugger dans un nénuphar sans y arriver. Attendez. Ah, elle me lâche ce nénuphar. Lâche-moi. Attendez. Nénuphar, lâche-moi! Non. Allez, s'il te plaît, Nénuphar, sois poli, lâche-moi. Lâche-moi. Bon. Attendez, bon. Heureusement qu'on est qu'au début, il y a peut-être moyen de se suicider ou un truc du genre. Eh bien non. Ah! Ah non. Ah si, ah non. Ah, j'ai réussi! Oh, pas trop tôt. Pouf! Vrai nénuphar s'en suit. J'ai l'impression que j'ai réapparu là où j'étais pas en fait. Ok. Bon bref, du coup, dans quelle direction? Déjà, je vais régler un truc que j'aime pas du tout, c'est avoir la fauve normale. Moi, je le veux à 90 tout le temps. Je trouve ça mieux. Qu'est-ce qu'on disait? Je sais plus. Je crois que je parlais de Feed the Beast. Et que j'avais expliqué donc que c'est un modpack et que j'étais en ce moment complètement à fond dessus, que ça me prenait légèrement tout mon temps. Surtout que du coup en même temps faut que je m'occupe du serveur. Donc vous inquiétez pas, je suis en train d'ailleurs avec cette vidéo de recommencer à faire des vidéos. Ouh, je parle plus français, mais les 4 heures du mat et demi en même temps. Et oui, et demi, moi je dis pas, et la demi, c'est 4 et demi. Voilà, hein. J'ai un like, je sais pas pourquoi. Comme vous pouvez le voir sur Mezi, il y a toujours autant de monde de connecté, hein, avec des noms assez... J'allais dire con, mais j'en trouve pas de vraiment con. Pendant qu'on marche, faut bien qu'on trouve quelque chose de con à dire. Swagiolo hipster, ok. Putain, ça arrête pas de bouger, les noms, c'est galère. Pixelator, mais je vais où là? Je sais pas où aller en fait. Attendez, la mer est buggée par là, mais bon, c'est la mer. Je sais pas où. Oh, là-bas, je crois que c'est l'océan, ça a bien l'air. Donc, on va aller faire demi-tour par là. Ok, le mec il s'éclate à dire lol en masse. Oui, en masse. Bon. Oh, des champignons, ça sert à rien. On peut pas les péter, mais c'est pas grave. Il a wood hot, white mushroom. Avant, ça ne marquait pas, je crois. Bref, et on va éviter de courir. Je vais boire un coup tant que je suis à côté de l'eau et que j'avais 13. J'ai déjà rempli mes bouteilles pratiques. Et des arbres très
handicapés, on va dire. Avec des feuilles qui volent. Super. Comme vous voyez aussi, j'ai changé la résolution de la vidéo parce que je suis toujours sur l'ordinateur à ma mère, qui est donc toujours plus puissant que le mien, qui me permet donc de tourner des vidéos en 1980x720 sur Minecraft plutôt que la résolution par défaut qui est assez... Ah, il y a un bord au monde, donc ben non, c'était pas la bonne direction. Donc si le bord est par... C'est que j'ai... En fait, j'ai dû apparaître complètement à gauche ou à droite d'un monde, enfin du monde. Et après, donc, là, je me cogne contre un côté. Ah. Ouais, voilà, là, je me cogne. Attendez, quel bloc? Je suis curieux. Bon, bref, on s'en fout. Donc, du coup, ça a pas l'air par là, donc on va aller par là. Coller au mur du monde. Bon, au moins, comme ça, c'est pratique, parce qu'on sait qu'on va pas être emmerdé par des mecs à gauche. Puisqu'on peut pas y aller. Ça, c'est l'avantage. Après, est-ce qu'on va survivre? Je ne sais pas. Aussitôt que j'y pense, excusez-moi si mon micro est légèrement plus pourri qu'avant, c'est possible. Parce que j'ai... Non, je crois que je prends la mauvaise direction, là, toujours. Parce que j'ai mon chien qui m'a bouffé le câble du micro, du coup. J'ai un peu la rage. Surtout qu'il a pas bouffé que ce câble, il a aussi bouffé le câble de mon clavier que j'ai acheté... Enfin, il m'a bouffé le câble 3 jours après que j'ai acheté. Ça fait un peu chier. Bon, il marche encore avec du scotch en aluminium autour. Ouais, en aluminium, je sais, c'est pas une bonne idée, mais c'est pas grave. Moi, je suis un fou, moi. Je vais courir. Là, il y a un bâtiment. Je suis content. Enfin, un bâtiment. Je vais juste reboire un petit coup d'un côté, voilà. Et le remplir. Et est-ce qu'il y a des zombies? Parce que je cours moi en bugant, mais. Merde, c'est pas ça que je vais faire. Ouais, non, je vois pas de zombies, c'est bon. Ok. Il y a un coffre là-dedans, je pense. Je ne vois pas de coffre. Là, il y en a un. Ah, c'est bon, on passe. Oh merde! Ah, c'est un mec qui a été transformé en mob, je crois. Oh, boule de neige, ouais. On va manger la pomme déjà, parce qu'à force de courir comme un con, alors qu'il faut pas, bah, du coup, j'ai déjà presque plus de bouffe. C'est pas cool, ça. Dans cette maison, qu'est-ce qu'il y a? Suspense, on va éviter de passer par là. Plutôt passer par la porte. Ah, écrame. Une cheminée. Sympa. Oh, un zombie pas loin. Je sais pas où qu'il est, j'espère qu'il est pas à l'étage dessus. Non. Alors, ça je suis accroupi, j'espère qu'il va pas me repérer. Qu'est-ce qu'il est? Il doit y avoir un coffre tout en haut, je pense, mais j'espère qu'il n'y a pas de zombie qui est fourni avec... Putain, faut que je saute en plus pour monter là-dessus. Oh putain. Oh putain. Il m'a vu. Profite tant que tu es coincé dans le truc. Ok. J'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance, mais du coup, je vais où là? Bon, de toute façon, il n'y a plus d'endroit zombie. Là, il n'y a pas de... Peut-être sur le toit. Ah si. Oh voilà. Je me disais bien. Oh cool. Un arc, un truc en maille. On va tenter de s'équiper de ça. On va mettre les bottes en maille, en chaîne, en maille. Je sais pas du tout si c'est plus puissant. En tout cas, je les mets. Voilà. Du coup, je sais déjà plus d'où je viens. En tout cas, je sais où je vais aller. Ça, c'est sûr. Je vois pas de zombies. Je vois un gens, deux gens là-bas. Alors, je vais me cacher. Donc, déjà fouillé. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais attendre qu'il quitte cette ville. Je vais rester caché. Puis on se retrouve tout de suite après. A tout de suite. Ok, ils ont l'air partis. En tout cas, je ne les vois plus. Je les ai vus partir dans cette direction, tout droit là-bas. Et je ne les vois plus. Ils sont peut-être allés dans ce truc, mais non. On dirait pas. Ouais, ils ont bien l'air partis. Donc, on va y aller. On va passer par la flotte.
Voilà. On va boire sous l'eau parce que nous on est fort, on boit sous l'eau. Et on va aller fouiller. Putain, mais en fait. Ah ouais, je voyais que ce bâtiment, mais en fait, il y en a plein, plein, plein derrière. Ah bah tiens, ils sont là-bas. Bah moi, je vais aller où est-ce qu'ils sont déjà allés, comme ça. J'espère qu'ils vont pas venir sur leur pas. Ils devraient pas me croiser si ils reviennent pas. J'espère du moins. Ce qui est bien, c'est que du coup, ils ont tué pas mal de zombies sur la route. Je sais pas si vous avez vu, mais ils étaient encore en train d'en taper un. Du coup, je suis un peu plus tranquille. Je les surveille quand même. Ça a l'air d'être bon. Mais par là. Lui. Ah non, il m'a pas vu, j'ai cru. Si. Non. Non, il est juste allé dans la maison pour me faire chier. Oh oh, quelqu'un près de moi. Oh. Oh, oh, putain. Culé. Oh putain, il m'a fait peur. Oh. Merde. Il m'a vu. Pourquoi je meurs? Oh non, je me dis pas que je suis en... Oh, je saigne. Ah, la bandage. Ouf. Oh là là. Oh, j'ai eu chaud. Oh, que j'ai eu chaud. Il m'a pas vu. À mon avis, il m'avait vu, il a dû me voir dans la maison, il a voulu aller me chercher, il m'a pas trouvé. Ce que je vais faire, je vais essayer de le tuer. Enfin, peut-être pas parce que j'ai pas toute ma vie. Je vais essayer de rester le plus discret possible. Même si là, si j'ouvre ce coffre, je suis plus en sneak du coup. Ah oui, là, il y a en effet. Ou sinon, c'est qu'on peut pas l'ouvrir parce qu'il y a une workbench dessus, ce qui est assez con, je trouve. Ah. Ah, genre, taper dedans, ça l'ouvre aussi. Ah, c'est cool, ça. Du coup, j'ai des flèches. Je suis très mauvais archer, mais j'ai des flèches. C'est cool. J'ai une épée. Ok. Ok. Donc là, il y a du feu. Ouais, bon. Oh, oh. Oh, oh. Ne me vois pas, s'il te plaît. Allez, on va se le faire, on va se le faire. C'est quoi ce bruit? Ah, c'est lui qui est en train de mourir. Putain. J'espère qu'il va pas entendre la flèche. Ah, oh, putain. Oh merde, ils sont deux en fait. Ah, c'est les... Allez, crève! Fais-toi bouffer par le zombie. Allez, crève! Non, crève! Oui! Oh, mais je suis coincé! Oh non, putain. Oh non, sérieux. Bon, bah, j'aurais pas duré longtemps. Faut que je reprenne l'habitude de... Bon, on aura essayé. On va prendre un où il n'y a pas trop de monde cette fois-ci, parce que s'il y a 5... Ok, il n'a pas envie que je... Ah d'accord, faut que j'attende une trentaine de secondes. Et ben en attendant, on va attendre, hein, je vous dis à tout de suite, on va attendre que ça recharge. Et voilà, on est reparti, donc slash miners is spawn, let's go. Et donc, je suis dans le désert, toujours avec cet effet de merde au début, nos étroits. Bien te donner envie de gerber même en jouant. Donc on est dans le désert, je vais pas faire mes erreurs que tout à l'heure et courir directement. J'ai cru que c'était un bâtiment déjà, je me suis dit what? Wait, what? Déjà. Bon. Il fait nuit, minuit ou presque minuit. Non, il est presque jour. Il se dirige vers la journée. Ok. Et ben je recours déjà. Habitude de merde. Il y a des cactus parce qu'on est dans un désert, c'est super, il y a du sable aussi, ouais. Ouais, ouais, c'est l'utilité des déserts. Bon, là, il y a un bâtiment, c'est nickel. C'est bien, j'ai dû le sentir parce que je dis là, et puis pouf, le truc il apparaît. Là, il y a un bâtiment, nickel. Bon, on va voir ce qu'il y a dedans. Pour l'instant, il n'y a pas l'air d'y avoir quelqu'un. Si, il y a
Il y a un zombie là-bas, il y a un mec derrière qui me regarde, un mec zombifié, je suppose. On voit ses deux petits yeux qui me regardent derrière le bras du zombie, ça fait limite peur. Non, il m'espionne. C'est pédophile. On va y aller discrètement, pas serré par les zombies. J'espère, enfin avec moi c'est pas garanti. Vous me connaissez, j'ai l'habitude de toujours me faire avoir comme une merde. Bon, alors là il y a déjà un coffre, c'est cool. Chestplate, ouais, ok, pomme. Bon, ça servira plus tard à mon avis. Je vais regarder de l'autre... Ouh là, j'ai plus de voix. De l'autre côté, s'il y a quelque chose... Ah, il y a de la flotte là. Genre, ils ont mis ça pour faire style, c'est du bois humide ou... Ah, un autre coffre. Merde, j'ai couru. On pas entendu, j'espère. Ah non, c'est bon. Oh, oh, si, lui il m'a entendu. En plus il en a rien. C'est celui qui a le skin. Attends, c'est celui qui a le skin. Il m'a pas entendu, non. Je... C'est celui qui a le skin, donc ce qui dit skin, c'est que c'est un mec. Et peut-être que si je le tue, peut-être que je vais récupérer son stuff. Je ne sais pas. Je vais essayer. Putain, il a une gueule d'indien. Crâne rasé, visage pâle. Enfin, pas très pâle pour toi. Allez, tu as crevé, oui. Ah, nickel, j'ai tout son stuff. Nickel, nickel, bah, cette fois on commence mieux déjà. Alors, j'ai quoi? Bon, pas si mieux que ça en fait. Juste son armure et... Ouais, bon, c'est toujours mieux que rien. Il m'a repéré, lui. Non, lui, il se casse. Oh, tiens, c'est bon, j'ai fini ma visite aujourd'hui. Bon, lui, j'ai pas trop avoir le choix parce qu'il est un peu sur ma route. Ah, putain, il y en a deux. C'est bon, ça c'est tranquille, c'est tranquille, voilà. 3 ? Bon allez, je suis un fou. Oh putain, il a fait un vol plané. I believe I can fly. I believe I can zombie fly. Oh c'est ça, bien fait pour ta gueule. viens vers moi. Ah, j'allais dire tourne dans le trou, mais apparemment t'as pas voulu. Putain, mais y'en a partout en fait. Il y en avait pas autant tout à l'heure. Dans des bandages. Oh merde, j'ai pas prévu ce détail. Vite son épée l'autre, merde il en a pas. Oh, je vais le finir à la main. Allez me... Non 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 non. Je pensais pas qu'il y en avait autant aussi. Il retombe trop à chaque fois. Oh merde, un escalier là-bas. Vraiment pas con aujourd'hui. Allez. Oh putain de l'ail. J'ai peur qu'il met. Il va mourir, oui ou merde. Ouf. Je déteste les lags. Ok, ça aurait été rapide cette fois-ci. Fais chier ici. Pourquoi quand tu vois un zombie, il y en a 4 qui te viennent après? Allez, on retente. Ah oui, merde, j'avais oublié ça. Et ben vous savez quoi? Pour la peine, je vais courir quand même. Oh, ben on va visiter leur... lounge. Lounge. What you strip. Ah, ça aura un petit truc à voir. Alors donc... oui, c'est sympatoche. Je suis déjà venu moi perso, c'est juste pour vous montrer parce que je trouve ça super... Non, c'est pour revenir. Je trouve ça super super classe. Donc il y a toujours beaucoup de monde dessus. Pas tant que ça en fait. Ils sont juste tous au même endroit. Putain, il a les yeux très bas lui. Hein. Et il pourrait même limite avoir la bouche au-dessus. Au-dessus des yeux. Le nez aussi surtout. Ok. Ok, ouais, discothèque. Bon. On va se casser, on fera une visite entière peut-être plus tard si vous voulez. Si vous voulez que je vous fasse une petite visite entière, vous me le dites. Je sais qu'il y a des un labyrinthe de verre. Pourquoi je... Sans le clavier, hop, sans les mains. Je vais à droite tout le temps. J'adore quand ça me fait ce bug. Tout ce lobby, on retombe dans un trou. Oui, je sais, j'adore aller dans les trous. Que faites-vous ? Ok, donc je disais, allez, on va prendre au serveur sans regarder au hasard. Donc hop, merde, hop, non, hop, non, hop, non. Putain, j'arrive pas à faire clic droit pile dessus. Bon allez, c'est quoi? Le premier que je vise. Ouais, c'est le plus proche quoi. US3. Il y a Mix 3638. Salut Mix, comment tu vas? Non, en fait, non, je vais... Non, ça ira. Spawn, non.
Me regarde pas comme ça, Mix. Me regarde pas comme ça. C'est ça, pardon. Tu me fais peur avec tes yeux rouges là. Mind the spawn. Mind the spawn. Et on est encore dans le désert. Ça se trouve on est à côté du. Ça se trouve on est au même endroit en fait. Ah, je reconnais cette dune. Je sais qu'il y a un bâtiment tout en haut. C'est là qu'il y est plus. Ok. Là on va arrêter de courir. Ouais, c'est moi. Pas de raison qu'il ne soit plus, mais c'était juste au cas où il y a plusieurs dunes qui ont la même gueule et qu'il y en a un ou pas. Enfin bon, vous me comprenez, hein. Voilà. Je sais pas si je vais trouver autant de zombies, mais cette fois, dès que j'en ai un zombie, je vais éviter de me le faire. Sauf si vraiment il a une armure comme tout à l'heure. Enfin, sauf si c'était un mec comme tout à l'heure, parce qu'on sait jamais ce qu'il peut avoir. Ça peut toujours servir. Je vais d'abord faire le tour pour voir s'il y a quelque chose dedans. Enfin, s'il y a un coffre, quoi. Là, je vois pas de coffre. Je tombe pas de zombies pour l'instant, juste... Oh putain, il est en maille, lui. Faut pas se faire avoir. Putain, ils sont deux. Non, non, faut pas que je me fasse griller. Pomme de la pomme. Le temps qu'il a écrit, lui, il serait déjà mort. Ok, ok. Ces étrangers essaient de communiquer. Bon, ils ont l'air sympas, mais bon, après, je me méfie toujours parce que... Non, ton nom n'est pas rouge. Bon, du coup, ils vont certainement prendre les coffres qui sont là. Et vu qu'ils sont largement plus stuffés que moi, je vais éviter de les provoquer. Surtout s'ils sont deux, alors on va se casser. Peut-être pas par la fenêtre. Quoique si, là, c'est pas trop. Ouais, voilà. On y passe après. Je vais me casser parce que j'ai pas envie d'avoir un couteau dans le dos. On n'est jamais trop sûr. on va passer par là. Je sais pas du tout où je vais, mais c'est pas grave. Tout ce que je sais, c'est que c'est le désert. Et qu'il y a toujours autant... Pourquoi il me suit? Oh putain, j'en étais sûr. Je vous l'avais dit, faut se méfier tout le temps. J'entends... Ah putain, mais il court vite, le con. Ah mais oui, il court en sautant. Putain, j'arrive pas... Ah putain, mais sérieux. Il y avait pas un truc qui faisait bon maintenant. Non. Ah putain. Ah. Ah. Oh putain. Non. Mais sérieux. Alors, avant c'était vie 1 à 2. Après l'épisode suivant c'était vie 2 à 3. Ben, cet épisode là ça sera vie 4 à 12. À peu près, hein. Pas grand chose. Bon, je pense qu'on va se laisser là de toute façon. Vous avez vu que je sais pas pourquoi. Aujourd'hui je fais totalement de la merde et en plus j'ai l'impression que j'ai pas la chance de mon côté. Donc on va finir avec la petite visite du lobby que j'avais dit dans du lounge. On va faire le labyrinthe de verre, voilà, pour compenser, puis on va y aller. Labyrinthe de verre, vous allez voir un petit peu la gueule qu'il a, j'ai réussi à le faire, je retiens à peu près le chemin où est-ce qu'il est. Je sais que c'est par là. Après c'est par là. Et voilà, on est au labyrinthe de glace, de verre. Et comme vous voyez, c'est énorme. En plus, il y a 3 étages. Enfin, c'est le bordel. Donc, si je me rappelle bien du chemin, tac, tap, non, pas par là. Hop, pas par là. Faut vraiment que je me rappelle, ça fait un moment que je l'ai pas fait. Je sais juste à peu près dans quelle zone ça se situe les chemins. Mais après, non, ça doit être plutôt là, voilà. Un peu là, voilà, tac, paf, parce que là encore ça va, on peut
faut y aller en courant, mais le problème c'est que les étages au-dessus, il y a carrément des trous dans le sol, et si tu tombes dedans, tu retombes à l'étage du dessous. C'est un cauchemar. C'est pas là, c'est... Bah, y a un mur là. Non, c'est là. Voilà, là je sais que c'est là, hop, par là on tourne. Non, peut-être là plutôt. Non, c'était bien avant. Tac. Hop, non, pas là. Je sais pas là que je viens. Si. C'est pas après. Non, ça... Ah, d'accord, j'ai pas vu. Ok, après on va là, là, et c'est derrière. Merde. Là on va de ce côté. Ouais, c'est là. Voilà. Non, c'était à côté encore. C'était... Voilà, là, je reconnais. C'est là, hop, on tourne... Ah bah non, c'est pas là. Je reconnais rien du tout. Ah non, c'est là, je reconnais. Je vais dire ça à chaque fois. Ah si, là, ouais, ce virage, je le reconnais. Si, c'est là, après, on tourne tout droit. Tout... Non, c'est là. Ah, tout droit. Après, on prend le virage. Et là, on va tout droit. Tac, on va jusque... Je sais plus si c'est au bout. Non, je crois que c'est là. Ouais. Tac, on va... Non, c'est pas là, en fait. Ouh, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait. Donc, non, c'est là. Voilà, on va à gauche, après à droite, après on y est. Et donc on passe à l'étage du dessus. Et alors là, vous allez rire, mais il me semble que j'y arrive mieux. Enfin, faut juste que je me rappelle où c'est. Je sais juste que, comme vous voyez là, on voit presque pas le sol. Et que vous allez voir, il y a des trous partout dans le sol. Alors, je vais aller là. Donc là, on va en voir un. Là, non, c'est pas là. Là, il y a un trou, là, par exemple. Vous voyez, là, il y a un trou. Si je lâche ma touche de sneak, je tombe. Donc, vous voyez, c'est vraiment salaud. Donc, moi, ce que je fais pour m'aider, c'est que vous voyez, on voit les chemins, là, comme ça, quand on se met assez éloigné. Et du coup, je me mets dans des coins comme ça pour repérer le chemin. Et c'est comme ça que je m'en sors, souvent. Là, je sais qu'il y a un trou par là, devant. Et pas là, en fait. Je vais aller par là. Tac. Hop là. Après la gauche. Donc faut savoir le lounge où je suis, en fait, c'est un petit peu le salon, on va dire. La salle de détente. Du truc de MindZed, mais pas seulement. Parce qu'en fait, MindZed, ça fait partie d'un groupe de serveurs. Softbox, un truc dans le genre, je sais plus le nom exactement. Et en fait, qui fait plusieurs trucs comme Mindy, Ghostcraft, si j'ai bien compris, et deux autres trucs ou trois, mais j'ai plus les noms. Je vous mettrai dans la description les noms de chaque truc, et si j'ai leur site qui vont avec. Puis je vous laisserai regarder si vous voulez, hein, comme ça. Non, c'est pas par là, là on tombe. Putain. J'aurais dû le faire plus souvent. Enfin, plus récemment, c'est ça que je veux dire surtout. Non, là il y a un piège là. Enfin, il n'y a pas de trou, mais il y a un cul-de-sac. Allez, on quitte pas cette vidéo tant que j'ai pas trouvé le chemin. Attendez, je sais que pour aller là, faut le truc par là. Peut-être par là. Là non, et là on peut pas. Donc c'est par là. Il faut que je vois. Ouais, il faut que j'aille de ce côté en fait. C'est ce qui me semblait. Alors on va y aller. Par là peut-être. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, c'est pas ça. Il y a un mur, j'ai pas vu. C'est là en fait. Tac. Non, il y a un trou là, non? Pas de trou, mais c'est pas là. C'est que c'est encore après. Parce qu'en fait, j'ai tourné trop tôt. Non, c'était bien. Là, peut-être carrément. Ouais, nickel. Nickel, après là, on tourne. Ouais, je vois le chemin. Tac. Hop. Après, je tourne là. Non, pas là. Après. Ah non, je peux pas tourner après. Attendez. Le chemin, il est par là. Hein. Putain, je trouve plus. En fait, j'ai oublié le chemin. C'est officiel.
on va tourner là plutôt. Ouais. Tac. Oh non! Ok! Allez, on va voir si je retrouve bien le chemin. Tac, tac, tac. Non, pas là. Parce que je pars pas du même endroit, du coup, je sais pas trop où aller. Ouais, là. Là, là. Après, non, pas là. J'ai rien dit. C'est là, voilà. Là, c'est bon, je retrouve. Hop, hop. Non, c'est pas là. Pourquoi tourner là? Oui, voilà. Tac. Bon, ça va, j'aurais pas mis trop de temps à retrouver le chemin, ça c'est cool. Je sais plus où c'est, après c'est par là je crois. Tac, tap, hop là, ouais, nickel. On est déjà de retour en haut, et ça va pas me prendre trop de temps à retrouver le chemin. Je vais passer tout au fond là. Ok, là il y a une vitre. Ok, je tourne là. Je vais aller à... Tac, à... non, pas là, pas là. Il me semble que c'est après. Là, j'ai l'impression qu'il y a un chemin, mais il n'y a rien en fait. On va continuer là en fait. Ok. Non, là c'est bouché. Bah non, pas là. Bon, bah on retourne là. Ok. Tac. Là c'était bouché, donc on va là. Ah. Là je reconnais parce qu'il y a un saut à faire. Là je... Ah non, c'est pas ici où il y a un saut, j'ai cru que j'allais tomber. Alors là on va y aller. Ah tiens, peut-être. Peut-être là. Ah non, non, non. Non, 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 non. Bon, du coup, cet épisode, je vais l'appeler labyrinthe de glace. Parce que du coup, j'aurais duré plus longtemps dans le labyrinthe de glace qu'à être vivant sur Menzi. Tac, là non, on va tourner là. Faut que je fais gaffe quand même là où je mets les pieds parce que j'ai pas envie de retomber. Je vais faire la petite icône. On va passer par là, ouais. Non, non, en fait non. On va continuer par là plutôt. En fait on retourne là où j'étais en fait. Hein. Là où j'étais allé au début. Et non, c'est pas là. Enfin au début, à la fin du début quoi. On va aller pas là, non, donc là ouais c'était bien par là, et on va aller, oh j'ai eu un lag ou c'est moi, on va aller là peut-être, là, et non ça sert à rien, on va faire tous les trucs comme ça, là peut-être, oui, ah oui là c'est là, je reconnais, ok nickel, enfin, et là on saute, c'est ça, non putain. Bon, double trou. Truc salaud, j'avais oublié ça. Bon, allez. On sent ce défi de le retrouver. Attendez. En moins de... d'une minute trente. Allez. Top chrono. Là. Là. Tac. 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 Ouh, j'ai un freeze. Tac. Non, pas tac. Demi-tour, 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 il me semble qu'il fallait aller plus profond dans le... Plus profond, dans cette direction, après on tourne à... pas à droite, non c'est avant qu'on tourne à droite. Tac, allez, 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 allez. J'ai pas de chrono, donc je sais pas du tout si j'aurais gagné, mais vous, vous verrez bien dans la vidéo. Vous regardez à quelle heure j'ai commencé. Je mettrai peut-être un chronomètre si je peux. Je suis pas sûr d'y arriver. Et non, je crois que je vais pas y arriver parce que j'ai déjà cherché à faire ça pour ma vidéo. Ouais, j'y suis. C'est le... Non, là. Tac, tac. Bon, j'aurais peut-être pas fait 1 minute 30, mais presque, je pense. Je sais rien, en fait. Ok, on a réussi cet étage. Ah, ouf. Bon. J'aurais pas mis trop longtemps cette fois. J'ai retenu le chemin. Donc, ici, je suis passé le... ouais, là. Après, j'ai tourné là. Après, je tourne là. Après, je tourne... non. Si. Non. Tout droit. Là. Donc, je cherche l'endroit où il y a un... voilà, c'est là qu'il y a un trou. Donc, hop, après, c'est là. C'est pas le connard qui m'a tué? Non, j'ai cru. Quoique, peut-être, en fait, ça se trouve, j'ai oublié son nom. Je me rappelle pas de son nom. Donc, là, après, il y a...
couloir qui arrive. Non, pas ici, juste après. Là, tac, tac, ok, on y est. J'aurais mis largement moins longtemps. Ok, donc là, il y a le double saut à faire. Et oui, oui, ok, là, on est tranquille. Jusqu'à l'étage au-dessus, qui est tout aussi chiant. En revanche, il n'y a plus de trucs pour tomber. Ou y a... enfin, si, il y en a, mais vraiment très peu. Par contre, le chemin, je sais que... Je me rappelle que c'est au fond par là-bas. Il faut l'atteindre, ce fond. J'allais tout droit. La sortie, elle est là. Il y a plusieurs panneaux. C'est juste pour te t'induire en erreur. Mais la sortie, elle est là. Non, c'était pas par là. Donc, on va aller là-bas. On dirait un rat de laboratoire. Non, un labyrinthe. C'est horrible. Je suis sûr, il y en a, ils cheatent avec des textures et tout. Avec des textures pas, ils doivent cheater, j'en suis sûr. D'ailleurs moyen. Mais bon. Hop, c'est pas là. C'est là. Ok. Non, c'est pas là. C'est pas là, rien dit. Donc alors, attends que je regarde le chemin. Ah non. Ah non. Je vois la lumière au bout du. Non, rien du tout en fait. C'est là. Là-bas. Tac. Ok. Là on y est. Là je reconnais, hop. Et après il va y avoir deux sauts de glace je crois. Ouais. Allez, faut pas se louper. Un. Et deux. Et on a gagné. Victoire. Avec des têtes d'hérobrine. Oh, tu me regardes de travers, espèce de petit pervers. Vous êtes deux. Ah. Et toi t'as la classe toi. Congratulations on completing the grass maze. Brought to you by Mr. Dan. Ok. Donc après on ressort ici, au-dessus de l'escalier de la disco. Oh merde, j'ai été poussé. Bref, on a fini de faire n'importe quoi et on va se quitter en prenant un bain dans la piscine. Alors on va aller au plongeon d'abord. Oh, attendez. Tu vas courir. Plongeoir. Hop là, on va prendre le grand parce que nous on est des courageux, nous on a des couilles. On a des couilles cubiques. Ok, et sur ce je vous dis à une prochaine vidéo.